Bonjour tout le monde, c'est Reggie et bienvenue dans ce premier épisode sur Splatoon 1 consacré aux guerres de territoire. Alors je vais faire 5 épisodes sur les guerres de territoire, je ne pense pas en faire sur le mode pro. Peut-être dans Splatoon 2, on verra. Mais je me suis dit que ce serait marrant, avant l'arrivée de Splatoon 2, de vous faire des épisodes de guerres de territoire sur les 5 armes que j'ai le plus utilisées dans Splatoon 1. Voilà, c'est un petit épisode à ma sauce, c'est juste pour m'amuser dans mon coin. Et je pouvais pas commencer cet épisode sur les armes que j'ai le plus utilisées sans commencer par le Nzap. Et je pense que c'est l'arme que tout le monde a le plus utilisée d'ailleurs, puisque c'est l'arme pratique de base qui colore vite et qui tue d'assez loin. Enfin, c'est l'arme super pratique et c'est vrai que c'est une des armes avec lesquelles j'ai eu mon meilleur score. Et ça tombe bien, on est qu'avec des Japs. Et pourtant, il est 16h. Et non, il est même pas 16h, il est peut-être encore un petit peu tôt. Il est 14h, autant pour moi. En général, c'est plutôt la nuit qu'on joue avec les Japs, mais... soit. Soit, bon, je vais me faire rétamer, c'est pas grave. Désolé pour le son, d'ailleurs. Vous allez voir ma super qualité de jeu, mais je suis vraiment désolé. Hein. Je suis nul, encore une fois, j'ai découvert le jeu... Fin janvier, début février, je crois que c'est ça à peu près. Ah ça commence bien, dis donc. Et moi, je m'en fiche. J'ai aussi mon petit missile. Non, cette arme est juste super. Hop. Histoire de faire un max de points, un max de peinture. Ça, c'est mon plus gros défaut quand je joue à Splatoon, c'est que je fais jamais attention à la jauge de peinture et je me fais avoir bêtement. Hop. Oui, du coup, désolé si... Si je l'ai pas dit ou quoi, mais le son risque d'être assez bas ou assez différent par rapport à ce que vous avez l'habitude. Parce que c'est vrai que je préfère quand même mettre le micro assez loin, au cas où dans un geste de brutalité, je me cognerais dedans en donnant un bon coup de gamepad. Oh, non! Oh. Ah, c'est gentil. Et une espèce de chemin sans rendre compte. Alors du coup, on est en train de gagner là, non? J'ai l'impression. Je vais laisser ça là. Ah! C'est vrai que cette arme est bien. Ouh! Mais elle vise peut-être pas d'assez loin quand même. J'ai horreur du dynamo rouleau. Dynamo rouleau, c'est peut-être ma bête noire en termes de en termes d'armes. C'est quand je suis en face d'un dynamo rouleau, je sais que je tiendrai pas. Sûr et certain, peu importe l'arme. J'ai vraiment du mal. Dynamo rouleau qui est une arme à débloquer du coup en mode solo. Un mode solo comme... j'ai dû vous le montrer peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas puisque là je tourne ça avant d'avoir fini le mode solo. Là j'ai tourné les 3 premiers épisodes, voilà, histoire de vous recadrer. Comme je sais de... C'est bien, je peinture l'heure dans le noir. Enfin, dans le noir, dans... Hop! Ah! Ah, dommage. J'ai fait mon premier kill, mais c'est un double kill, c'est dommage. Je vais au moins vous montrer un petit truc. Mais 772, ça va, hein. Je pense quand même me débrouiller pas trop mal. En même temps, mon équipe est... Oh! Ça aussi, à chaque fois, je me fais bêtement avoir. C'est que je vois un Kraken arriver, je me dis toujours, allez, on va le tuer, mais on peut pas tuer les Kraken. Ah là 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 là. Allez, viens, viens, viens. Je sais pas si... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh oui! Oh, deux! Oui! Ah, oh, trois, trois! Ah oh, non, c'est le dynamo. Bon, il est parti. Allez, c'est le moment où on peinture l'ur. Loin, vite, bien. Hop! Et j'aimerais juste garder pour la toute dernière minute. Oui, pile poil. Ça va, je pense quand même avoir pas trop mal joué pour ma première partie. Je pense, ça va. Ah, 48, finalement, c'était un peu plus serré que ça. Ouais. Alors, ouais, 965, c'est bien. 2 sur 3, peut mieux faire. Et je suis pas très fort en kill. Je suis pas très fort. Pas très fort en tout, en fait. Je suis nul à Splatoon. Retenez ça, c'est tout. On va refaire un match avec les mêmes Japs. De manière, je pense que... Peu importe où j'irai, ce sera exactement les mêmes japonais. Enfin, les mêmes japonais. Vous m'avez compris, ce seront des japonais, autant pour moi.
Ça va, un temps d'attente plutôt court finalement. Je pensais attendre plus longtemps que ça. Même très court, hein. Vraiment un temps d'attente très court. Bah tiens, je vous couperai pas histoire de vous montrer. C'est vrai que moi, ce qui m'embête avec Splatoon, c'est vraiment parfois, ouais. On attend, mais alors tellement longtemps avant d'avoir une équipe, une partie. Hop! Là, on est sur le deuxième terrain, un deuxième terrain que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas où placer, mais mince! Je suis allé dans l'eau? D'accord. C'est bizarre. Je suis tombé dans l'eau? Oui, je sais qu'il y a de l'eau, mais j'ai eu l'impression d'être mort bien avant d'avoir touché l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va la mettre là. En fait, j'aurais dû la mettre au-dessus, là. Ouais, là, j'aurais dû la coller là. J'ai pas l'habitude d'utiliser. J'ai dû appeler ça une balise, mais c'est une fontaine, en fait. Pas l'habitude d'utiliser les fontaines ici. On va juste débloquer mon spécial. Voilà, histoire d'aller aider les amis. Oh! Oui! Ah, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est triste. J'ai l'impression qu'il y a des lags, hein. On dirait quand même. Oh, pardon, voilà, j'ai mis le micro à 1 km, mais j'arrive quand même à me cogner dedans. Ah, purée. Ce serait bien que j'arrive à le coller là-haut. Non! Purée! M'a fait peur! Dommage. J'aurais presque pu retourner la situation. Bon, je pourrais avoir collé une balise, mais ça va pas faire grand-chose. Alors, là, c'est porté. J'aime beaucoup ce terrain, bizarrement. Je sais pas. Je crois. Ah, c'est parce qu'au niveau du mode solo, comme je vous ai dit, j'ai très peu fait de mode solo. Mais en mode solo, c'est sur ce terrain-là que je me suis le plus amusé. On va essayer de passer par au-dessus. Sûr qu'il y en a un dans le coin, non, même pas. J'étais persuadé, hein, pourtant. Ah, il est là-haut. Allez, descends, chaton. Allez, allez! Blarve. Oh! Oh! Ah, il nous a eu. Il nous a eu, il nous a eu. Je sais pas trop d'ailleurs comment il nous a eu. Je l'ai même pas vu attaquer. C'est dommage. C'est dommage. Par contre, on se fait avoir de l'autre côté. Ça, c'est pas bien du tout. Pas bien du tout, pas bien du tout. Allez, allez, allez. Ça qui est bien. Oh! Dommage. Oh! Avoir de partout. Non, non. Ah. Dommage, j'ai eu la réaction là. Par contre, je rejoins. Non, si, ils sont du bon côté. Non, 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 non. Purée, ça, j'aime pas les spawn kills comme ça. Plus, ils visent de plus loin que moi. Ah, 549, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Vraiment fait n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. On joue pour s'amuser. Par contre, je pense qu'on a perdu. Je ne sais pas. Ah, moi, je suis très mauvais pour juger à la fin. On avait largement gagné. Quand je pense qu'on l'a gagné, en fait, on l'a perdu. Et inversement, du coup, je suis très nul pour juger. Purée, 5 fois, je me suis fait tuer. C'est pas grave. Allez. Au suivant. Ah, et on revient sur la carrière caviar. Carrière caviar qui est tellement simple pour faire beaucoup de points, je trouve. Enfin, de toute façon, avec le end-zap sur cette carte, j'ai à peu près toujours le même chemin. C'est hop, je fonce par là-bas. Tac. Hop. J'oublie en général cette partie-là, d'ailleurs, je le fais jamais, tiens. Ce sera une partie. Ce sera le moment de le faire. Hop. On met une petite fontaine ici. En général, on n'a plus de peinture, mais ça, je m'en rends compte qu'après. Hop, c'est pas grave. Pardon, et je cogne toujours dans. Dans mon micro, alors que j'ai fait exprès, encore une fois, de le mettre à 3 km, c'est pas grave. Hop. On va glisser par là. De toute façon, c'est voilà, à peu près toujours le même chemin. Mais c'est bien avec cette balise. Enfin, cette balise. J'adore appeler ça une balise. Avec cette fontaine placée là, en fait, ma jauge spéciale se remplit toute seule quasiment, quoi. Hop. Oh, 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 oh! On va faire reculer un petit peu.
va s'attaquer par là, là. Allez, allez, allez. Oh. Bon, c'est les autres qui les ont eus. Mais j'ai quand même donné un coup, moi. Oh, 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 oh. Ça aussi, j'ai tendance à tellement me faire avoir par les missiles tornades, mais trop facilement. Jamais placer une fontaine là, on va bien voir ce que ça donne. Ah oh. Ah, c'est dommage. Ouais, je vous dis, je fais jamais attention quand... Il y a un sniper par là. Quand j'ai plus de vie. Allez, hop. Hop. Ah, dommage. Dommage, dommage. En plus, j'avais mon missile tornade. Ils sont où les autres? Oh non. Oh, j'aime pas ça. Ah, ça, c'est triste. J'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est fait déconnecter, en fait. Ah, il y en a un qui s'est fait déconnecter. Ah, ça, c'est bien. C'est gentil de m'avoir aidé. Hop, un petit missile tornade par là. Je pense pas que ça aide à grand-chose, mais bon, sait-on jamais. C'est sûr que là, je vais faire des scores de folie. Allez, hop, par là. C'est bien parce qu'ils étaient tellement... Ah mince, il y en a un qui se ramène. Ah! Ah, dommage, dommage, dommage. C'était tellement occupé à nous massacrer. J'aimerais bien qu'il y ait un découp de l'autre côté aussi. Ah, il y en a un là. Oh! Ça c'est bien. Ah, il est caché là, tu croyais que je t'avais pas vu? Ah, dommage, dommage, dommage. Mais ça m'énerve! Ça m'énerve! J'étais trop bien parti. Oh, on va gagner, on va gagner, on va gagner! Purée, avec un déco dans notre team quoi. Oh non, non, mais faut qu'on gagne, faut qu'on gagne. Ah, dommage. Ouais, non, on gagne, c'est bon, on gagne. Fouh, j'espère, encore une fois, je dis ça. Ouais, c'est la première fois que je gagne avec... Avec quelqu'un de déconnecté dans ma team. Parce que alors... Ouais, non, c'est ça. Eh, B. 2186. J'ai pas vu combien j'avais fait de morts, mais... Eh ben, très très bien. Peut-être le moment où, parce que là, je crois que j'ai jamais fait mieux, d'ailleurs, avec le Endzap. Enfin, ce Endzap-là. Puisqu'on va changer de Endzap. Ça, c'est pour moi le Endzap si tu veux faire des points. Mais le Endzap agressif, comme j'aime bien l'utiliser, pour vraiment aller tuer tes ennemis avec le Kraken. Alors le Kraken, c'est vraiment... C'est vraiment le spécial que j'aimais pas. Autant à jouer que à contrer, puisque à chaque fois je me disais tout sur le Kraken alors qu'on peut pas tuer un Kraken. Finalement, j'ai vite retourné ma veste et ça fait partie d'un de mes spéciales. Oui, un de mes spéciales. Ça fait un peu bizarre de dire un de mes spéciaux. Bref. Un de mes spéciales favoris. Du coup, puisque. Parce que je trouve ça assez sympa quand on vous saute dessus de retourner un petit peu la situation en vous transformant en Kraken. Par contre, je ne sais pas l'utiliser. Je ne sais pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'on me saute dessus, j'ai mon Kraken pour retourner l'avantage, enfin la situation à mon avantage, autant pour moi. Mais je ne pense pas toujours à l'utiliser, donc voilà. Allez savoir du coup pourquoi j'ai un Kraken et pourquoi on se bloque tous là comme ça. Allez hop! Par là. Je mets pareil de quel côté commencer. J'ai même pas regardé ce que j'avais en secondaire déjà. Ouh! Ça, c'est une arme secondaire que j'adorais utiliser avant. Le tracker. J'utilisais tout le temps quasiment. Enfin, c'est que je me suis aperçu que la plupart des terrains étaient jamais vraiment en ligne droite comme ça. Oh! Oh! Non! 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 Ah, c'est dommage, hein, parce que le Endzap, quand même, a une super cadence, mais c'est vrai qu'il est quand même plutôt faible. Quand même plutôt faible. Et hop. Oh! C'est bien pour histoire de récupérer une zone assez vite. Bon, là, j'ai un Kraken, on va essayer de penser à l'utiliser au bon moment. Oh! 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 Non! Et voilà, là j'avais le Kraken et j'ai pas pensé à l'utiliser au bon moment. Je me suis dit que j'allais avoir l'avantage parce que j'étais au-dessus, mais alors en fait, pas du tout. Parce que j'étais pile dans leur ligne de mire.
Oh non, non, non. J'ai cru que c'était un ennemi qui me tirait dessus, quoi. Et reculer, reculer, reculer. J'aimerais bien avoir des points pour un petit kraken, là. Voilà. On va essayer de penser à l'utiliser cette fois. Genre là. Oh! C'est bien, parce qu'il y a des... Mince. Par contre, là, je suis complètement au vu de l'ennemi. Il y en a un qui m'a fait joli. C'est gentil. Oh! Ouais, ça, c'était joli, mais c'était absolument pas voulu. Oh, mince! Dommage! Oui, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur joli. J'aime bien faire ça. Hop. Par contre, j'aimerais bien récupérer ma zone. T'es mignon, toi. Voilà, pars. C'est même pas moi qui l'ai eu, du coup. C'est triste. Ouais. Je sens bien par là. On va te suivre, compagnon. Oh, non! Ça aussi, c'est ma spécialité, parfois, rester sur le chemin des bombes, comme ça. Ah, purée. Allez, j'ai un kraken. Vas-y, pars. Non, 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 non! Ah, c'est bien. Bon, c'est encore l'autre qui a fait tout le boulot, mais... Allez, 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 allez! Faire un maximum! Fait que sa fontaine. Bon, je pense qu'on a perdu, malheureusement. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Comme je vous dis, je suis super nul à jauger à chaque fois à la fin. Ah non, on avait gagné. Voilà. On a gagné. Ah, c'est grâce au Endzap. Alors, du coup, mes stats. 867, c'est moi le meilleur. Mais je me suis fait tuer 3 fois pour 2 fois. C'est le jeu. C'est pas grave. Allez, une autre partie. J'aimerais bien qu'on... On retourne sur l'autre carte. Sur l'autre carte avec le Endzap, c'est bon, hein, vous faites toute l'équipe adverse. Eh, je suis quand même à classe. Ça va, on s'en sort bien. Enfin! Bon, là, par exemple, une éternité pour avoir une partie. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau? Oh non, on est sur le même! Mais moi, je veux l'autre. De toute façon, j'ai du mal avec le nom. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. C'était... je sais plus. Je sais plus. Justement, remettez-moi le terrain pour que je me souvienne de son nom. Mais même là, le terrain, je ne sais plus. J'ai vraiment du mal à retenir le nom des terrains. Allez, hop. Oh, j'ai réussi à le toucher d'ici. Ah! En fait, faudrait vraiment que... comme ça de l'autre côté. Allez hop, c'est le moment de 1. Ah! C'est quoi cette esquive là? Il n'y avait pas un deuxième là? Non. Apparemment. Ça me paraît bizarre. Hein. Non, il est pas là. Sait-on jamais? Ouh! On va passer par là. Ah! Non! 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 Je voulais juste aller au mur, mais pourquoi? C'est triste. Bon, c'est pas grave. On va rejoindre notre ami qui était juste derrière. Hop, comme ça. Je sais d'ailleurs pourquoi il était indiqué sur les cartes. Bref. Bon, et si on allait plutôt par là? Parce que comme ils veulent pas nous faire monter de l'autre côté, je prends le chemin le plus simple. On a été repéré, c'est pas grave. Ça a rien de peinturlurer le sol. Il faut toujours peinturlurer devant soi. C'est bien parce que c'est moi qui donne des conseils alors que... Je suis vraiment un gros noob à Splatoon, moi. Et c'est bien, j'ai le Kraken. J'ai le Kraken. Mais j'essaye, hein. J'essaie quand même de m'en sortir avec des tactiques, des stratégies, tout ça. Mais je reste quand même assez naze en face à face. Voilà, j'ai tellement le stress de me dire « Ah, il y a un ennemi que... Hop !» Et ça, c'est bien. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le Kraken, c'est juste pour fuir comme ça, parfois. Ah, non, non. Ah, oh, purée, ils se sont mis à deux. Ils se sont mis à deux. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, j'aimerais bien aller rejoindre mon ami, mais en fait, si... Oh, j'aurais dû. J'ai pas rejoint le bon, c'est pas grave.
Pas rejoint le bon. Oh! Chapeau. Chapeau, chapeau, j'ai failli me faire avoir. Ah, c'est gentil de m'avoir fait une petite bombe là sur moi. Histoire de me dégager du terrain. Tac, comme ça. Il va me faire des petits chemins. Ah, c'est déjà la fin! J'avais même pas réalisé. Il est où à peinture lurée? Allez, par là, par là, par là. C'est les dernières secondes. Non! Je veux peinture lurée encore! Je sais pas trop au niveau des stats, j'ai quand même tué. Bon, là on a gagné, c'est évident. Pas trop vu au niveau des stats, puisque du coup. Je pense quand même en avoir tué pas mal, non? Ah, ça va, 5. Peut-être le meilleur score de cette vidéo, mais je. Voilà, je suis pas très fort pour tuer les gens. J'essaye. Allez, on va en faire une petite dernière en espérant que ça soit... Ah, la carrière caviar, ça m'est revenu d'un coup. Je crois que c'est ça. Ou alors c'était ça, la carrière caviar. Ah, j'ai un doute. Allez, on refait un match. Oui, c'est ça, en fait, c'est mine marine et carrière caviar. C'est marqué juste là. C'est vrai que j'ai du mal à me souvenir du nom des stages. Comme ça, encore une fois, peut-être manque d'habitude. Oh, c'est gentil. Gentil de me l'avoir mis pour la dernière. La dernière avec le N-Zap. Le N-Zap en mode agressif. Oh mince, en plus, il y en a un deuxième avec point. Je sais pas trop d'ailleurs si je reprends le même chemin. Allez, tiens, on va changer un petit peu. On va se mettre là, histoire de faire la vie juste et peinture lurée un petit peu partout. Hop. Oui, j'ai fait la vie juste 2 secondes. Hein. C'était juste histoire de me faire un petit chemin, mais il m'a l'air sympathique. Ça, c'est un truc, j'ai pas du tout le réflexe. C'est de suivre les coéquipiers en général. Je fais toujours ma vie dans mon coin. Par contre, là, on nous a carrément bloqué. Oui! Ça, c'est bien. Et j'ai le Kraken, si on m'embête. J'ai l'impression qu'ils sont en sous-nombre en face. Ouh! T'aurais bien voulu, hein. Pourquoi? J'arrive pas à te tuer! Ah, purée. Bien, hop! Essaye de m'échapper, bien fait pour toi. Oh! Oh, ça c'est méchant! Ah non, on dirait qu'ils ont une déco quand même en face. Ah non, c'est bon, ils sont tous là. Ok, autant pour moi. Vous voyez le squid mort juste en face. Ouais, c'est bien. J'allais dire. Parce qu'il y avait notre côté qui était pas du tout peinture leurrée, mais il y en a qui sont quand même allés par là-bas, donc c'est pas mal du tout. Oh! Il y en a un qui arrive par derrière. C'est pas grave. Ah! Voilà, ça c'est fait. Oh, il y en a un autre. J'aimerais bien que tu viennes. Oh! Pas très gentil ça. Je sais pas trop où t'es caché. Je l'ai bien vu par là, non? Je sais pas. Oh! Je ne sais pas où t'étais caché, mais t'as presque réussi à m'avoir. Franchement, chapeau. Bon, allez, on va aller un peu plus par là. De manière, ici, là, on est en phase où ça serait tellement simple de nous sauter dessus. Un petit peu de peinture lurage par là-bas. Je sais pas s'ils ont bien géré de l'autre côté, là, les autres. Il y en a un qui s'est fait tuer par ici. Là. Voilà! Ça prendra, va. Peut-être pas dû foncer par là, donc. Chez l'ennemi. Non, non. Oh, dommage. Eh ben, j'avais le Kraken, en plus, encore une fois. J'ai pas pensé à l'utiliser. C'est bien, hein, d'avoir un Kraken qu'on n'utilise pas. Et 20 secondes. Ah, ah. Et encore un kill. C'est bien. Oh, oh, encore un kill. Et là, je pense que j'aurai un super ratio. Encore un. Ah, dommage, je suis mort. Bon, j'aurais peut-être pas un super ratio. C'est dommage. Allez, on gagne, on gagne, on gagne. Ouais, c'est bon. Fouh. Et bien, pour un premier épisode sur les guerres de territoire, ça va. Je vous ai quand même montré quelque chose de pas trop mal, je pense. Je pense, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, alors là, je suis... Mais alors... totalement ouvert, si vous avez des conseils, des avis, ouais, 9 sur 3, je crois que c'est peut-être mon meilleur aussi, hein. 9 kills quand même,
Ouais, j'ai content. Donc oui, si vous avez des conseils, des avis sur ma façon de jouer, mais alors, je suis ouvert, mais à un point, vous savez même pas, c'est... J'accepte tous les conseils, toutes les critiques. Je cherche juste un petit peu à m'améliorer. De toute manière, on aura encore une fois une petite remise à niveau, je pense, avec Splatoon 2 qui va arriver. Mais je suis encore ouvert aux conseils, puisque je trouve quand même que je me débrouille pas encore assez bien. Voilà, c'est pas encore parfait ma façon de jouer, mais voilà, j'essaye de m'entraîner un petit peu tous les jours. Voilà. Merci d'avoir suivi ce premier épisode sur les guerres de territoire. Et à très bientôt pour un prochain épisode sur quelle arme. Eh bien, vous verrez bien. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Au revoir.